bo xolé même tay bo démon ci portail université bi au lieu ñu bind fa UDT UT lañ fa bind université de Thiès manam lolay wone ni chantier bi nga xamantene ñom ñu koy défar amul bénn fulla buñ ci def parce que buñ ci défon fulla défena bo décret bi génné way ni université bi tudul sun université de Thiès mais université Ibader Thiam de Thiès la tuddu buñu défar porte bi war nañ ci mëna bayyi xel mais défuñu lolou UT lañ ci bind manam université de Thiès donc lolou nak étudiant bi ñu koy nakaru té rappelé ñu leen ko wax nañ leen ni université bi tourotul université de Thiès mais université Ibader Thiam de Thiès té lolou sax ñun même buñu leen ko waxul ñom war nañ ko mëna xam par respect pour le feu professeur Ibader Thiam donc leen ñu ci waxat moy comme sama natango dum ko waxé légui il y a un nouveau ministre buy dogué ñew à l'occurrence le professeur Moussa Baldé ñu koy dégg ci passation de service mu né objectif bu ñëk moy nan lay xol nu muy orienter nouveau bachelier mais ñun Thiès wax dëgg fa yalla soxlo nouveau bachelier amuñ fuñu leen duggal daw luñ dacc ay nouveau bachelier ren xalaatuñ ko dajat daw son nañ ci dawati geej son nañ ci ren nak buñu ñëne objectif premier moy jël ay nouveau san leen ci ay université da fay san université bo xamne existé na ñun Thiès dafa mel existé wuñ ci domaine étatique bi dafa mel existé wuñ ci l'enseignement supérieur té nak dañu bëgg comme ko mom muy dogé ñëw mu enquérir sur situation université Ibader Thiam de Thiès xamne ñun son nañ waxatuñ sax chantier yi nga xamantene mo war nek ay classe mais tay pavillon 1000 yi nga xamantene war nañ ko jot depuis daw peinture nañ ko carrelage nañ ko lepp dem na toilettes yi lepp disponible na lima jaaxal moy lo taxawat na depuis de 6 mois tay ñu bëgg tay ñu né war dañ ñuy joxat ay étudiants yu bëss pour ñu ñëwaat biir Thiès ñun ñu sonnat nekkat fi di dawat ci ginnaw ay chantier yo xamantene depuis de 7 ans depuis de 8 ans ñun wax dëgg fa yalla son nañ ci affaire bobu non ñun nak li ñuy ñaan moy le président de la république bañ fa mujjé dem amna lu ñu waxoon d'ici la rentrée dinañ fexé ba ngeen jot seeni chantier lolu gisaguñ ko len li moy dañ ñoo joxone promesse ci ministre bi fi genn nañ 30 juin suma joomul di ngeen jot seeni chantier 30 juin bam passé légui yag na ba légui jot ñu ko mom lay rappel nan chaque 2 mois jox ñu ay date yu bes ñun nak soxlawatuñ ay date dañoo bëgg lo xamantene c'est du concret recevoir nañ plus de 2000 nouveaux bacheliers ci bir université bi bañ ko recevoiré dañu gis ño xamantene dañuy jang 2 jours tok 4 jours duñ jang manam semaine bi ñaar yoon lañ ciy jang comme ay classe double fixe yi nga xamantene mo am ci école yu gëna reculer yu ci Sénégal da ngay jang tay tok une semaine do jang wala tay da ngay tok ci cours bi di xaar kenn jang ba genn yow ngay dogay dugg bu kenn gennul yow manam journée bobu do ko jang te fi université bi nuñ ko structurer manam fi fo dem ci bir Thiès fo tourner ya nga fay gis tableau université Ibader Thiam de Thiès lolo ci gëna ñam tay suma jëlé ben exemple EFR science de l'ingénierie 2019 le commencé recevoir ay nouveaux bacheliers musu recevoir nouveaux bacheliers lolu moy wone ñom ñi ngi bëgg yaax suñu université musu recevoir nouveaux bacheliers légui ñu fay orienter ay nouveaux bacheliers parce que créé nañ fa ay filières UBS ta amul ben mesure d'accompagnement bo xamantene amna ko ñaata ingénieur lañ former ci bir EFR science de l'ingénierie te science de l'ingénierie ba légui ci ay bâtiment lañuy lu ci ay kër lañuy jàngé donc lolu mo tax ñu né ñun université bi paré guñ sax pour recevoir ay nouveaux bacheliers suñu campus yi bo ci duggé tay chambre bo def 2 personnes ñu def fa 13 personnes donc ça veut dire que ñun amuñu fenn fo xamné mën nañ fa defaat keneen waaw ben restaurant bi ben el restaurant bi dañ ko jël def ko salle de classe parce que amuñ fuñu jàngé avec le directeur ñu waxtaan ñu xol ni lool rek mo fi solution ñu ne ko kon lool fa ñu jël ko def ko salle de classe ñaari salle télé yépp la sax légui bu ñëk ba ben salle télé bi loon pour les filles mais légui ñaari salle télé yépp jël nañ ko ben salle télé pour les garçons c'est plus de 30 étudiants ñoo fa nek plus de 30 étudiants ñoo fa nek man sama étudiant UFR Sciences et Technologie ñu ngi fa ki ay étudiant am ñu ngi fa donc ça veut dire que ni ñun université bi on est à l'agonie instant bi dañoo xoj xamatuñ fuñu jëm. Je m'appelle Khalifa Babacar Sy Traoré, président de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Ibader Thiam de Thiès et président de l'amicale des étudiants de l'UFRSS. Nous sommes aujourd'hui en conférence de presse pour parler de la situation de l'université Ibader Thiam. Comme vous le savez, on a été en vacances depuis moins de 2 mois et nous nous apprêtons à reprendre les cours. Mais dans cette perspective, on a eu à avoir des visites par rapport au chantier qui était en cours au niveau de l'université Ibader Thiam de Thiès et à faire quelques démarches par rapport à cette continuité. Mais nous avons constaté, par le plus grand regret, que les choses ont stagné depuis lors et que depuis la fermeture de l'université, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées par rapport à ce qui était entamé. Pour un petit rappel, avant d'aller en vacances, on avait fait le nécessaire pour que les travaux puissent prendre cours et terminer avant même qu'on aille en vacances, chose qui n'avait pas été respectée d'ailleurs. Mais les deux choses qui restaient et dont on faisait le poids pour qu'on puisse avoir un petit soulagement, c'était par rapport au portail de l'université qui n'est toujours pas effectif et aussi le matériel
qui était la chose qui restait pour terminer la station d'épuration. Depuis toujours, on est en train de courir et de réclamer cette station d'épuration afin de pouvoir regagner les salles qui n'attendent que la terminaison de cette dernière pour pouvoir être opérationnelle. Mais nous avons vu que les démarches n'ont pas abouti à des résultats concrets. D'ailleurs, durant les vacances, on a même essayé d'en parler avec les autorités compétentes et même à avoir à faire un petit retour au niveau du ministère. Parce qu'on avait eu à faire un petit rapprochement avec même les conseillers techniques du ministre de l'enseignement supérieur sortant, mais on n'a pas vu d'avancée par rapport à cela. Et tout le monde pensait que au niveau des retours, qu'on aurait les chantiers à notre portée. Il y a eu même des démarches qui étaient faites par la conférence au niveau du programme Joko ak Maki, qui ne date pas de longtemps. Tout le monde s'en rappelle parce que les images et les vidéos ont été publiées partout. Lorsque la conférence avait fait les démarches et le plaidoyer pour demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour qu'il puisse accélérer les choses et faire terminer les chantiers de l'Université Baylor Thiam de Thiès. Chose qui avait été peut-être tenue par lui en nous disant que les choses seraient bien terminées et que peut-être au niveau de l'ouverture, on aurait eu une bonne réalisation de ces chantiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas des choses qui bougent et que les choses sont stagnées de là où elles étaient avant qu'on aille en vacances. Dans cette perspective, et voyant que même l'année académique a eu beaucoup de retard, nous rappelons l'État, les autorités compétentes, pour qu'ils puissent prendre les devants, de faire le maximum afin de pouvoir terminer cette station d'épuration et ces chantiers qui sont là depuis 2015 et qui durent. Je pense que c'est le message global par rapport aux chantiers de l'université. Et par ailleurs, nous avons aussi constaté une petite lenteur par rapport aux travaux de vacances qui doivent s'opérer au niveau de l'université dans les différents campus sociaux. N'empêche qu'il y a des démarches qui sont en train d'être menées, mais nous sollicitons et rappelons aussi le directeur du CROUS pour qu'il puisse accélérer les choses afin que les étudiants puissent regagner les sites pédagogiques et sociaux dans les normes universitaires et la date de reprise qui a été fixée par l'administration. Je pense que ce sont les rappels et les mots qu'on devait tenir aujourd'hui pour interpeller en premier son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il puisse accélérer les choses de par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et faisons aussi un petit message au nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Moussa Baldé, que l'on demande de faire un petit focus sur l'état des lieux de l'Université Ibadel Thiam de Thiès et de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Il ne reste que le matériel par rapport à la station d'épuration dont on nous a donné plusieurs dates pour nous dire qu'il était en route et qu'il devait venir. Tantôt, on nous disait qu'il était sur la mer, tantôt sur les avions, tantôt on ne sait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé à Thiès. Mais on espère qu'avec lui, que de nouvelles perspectives et des solutions à court terme seront données aux étudiants pour qu'on puisse avoir ces chantiers afin de pouvoir reprendre les cours dans les meilleurs délais. En tout cas, le message il est clair, que les travaux de vacances soient accélérés à bon cours et que la station d'épuration et les chantiers en général soient mis dans les conditions favorables afin qu'on puisse obtenir gain de cause et reprendre les cours pour ne pas trop perdurer dans cette lenteur académique qui nous a touchés cette année-ci. Je vous remercie.